bâtiment. Sécurité est trop dure. Mais le vieux. Est-ce que Raoul Melendez est venu ici? Sergent Wood, Raoul Melendez est le leader de Cordis Dié et le terroriste le plus redouté depuis Oussama Ben Laden. On perd notre temps ici. C'est plus qu'un légume. Doucement! Il a juste dit « mi hermana ». Ça veut dire « ma sœur » en espagnol. Tu peux pas venir avec moi. Vous avez intérêt à vous préparer. Il va attaquer. Si vous avez des informations sur une menace d'ordre national, vous devez nous le dire. Allume l'appareil. Ton vieux père, il s'en sortait pas mal en Madagascar. Mais Hudson s'est pointé. J'ai peur. Viens m'aider. T'as 7 ans, David, alors arrête de faire le bébé. Je te déteste. David, attends. Et son équipe était chargée de démanteler un trafic d'armes en Angola. Ce matin, nous avons perdu le contact. Bon, bah, dans ce cas, allez le chercher. Qu'est-ce que vous voulez? L'Angola est aux mains de Castro et de la Russie. On ne peut rien faire. La CIA a enterré la mission. Woods et son escouade n'existent plus. Tout ce que vous voulez, les hommes. Tout. Jenny s'occupera de David, comme avant. Elle l'aime beaucoup. Tout ira bien. Papa, t'as dit que tu retournerais jamais dans l'armée. Tu m'as promis. David, c'est l'oncle Woods. Il le ferait pour moi. Eh bien, salut à tous, c'est Abador. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo donc, sur le premier épisode de la série. Black Ops 2. Donc bon, on va commencer directement. Je vais pas vous expliquer. Il faut juste que je fasse. Non, attendez, je vais garder la toile. Voilà. Bon. Voici. Ils ont trouvé où j'étais retenu grâce à un satellite espion. Un de ces garages 09. Cet engin, il crache une cartouche avec le film à 20 km de nous. Pour ensuite un 630 bases. Et il l'attrape au vol à 30 000 pieds. C'était pas à l'ère numérique. Après, le film devait être traité, analysé et livré à la main. Notre joueur sur le terrain, c'était un type appelé Jonas Savinby. Tu crois que je suis cinglé, ce type? Bon, on va commencer. Allez, c'est parti. Non ! C'est le plan d'Akuma ! J'ai un bon ! Miss ! Ça m'est mis, il faut l'aider ! Allez, merde ! Certains
cette ville ne peut pas être sauvée. Il faut partir avant de subir le même sort. Les mortiers veulent dire que le FBLA s'apprête à attaquer. Okay, c'est pire. C'est la bonne de la guerre. Alors ils vont la voir. En avant. Mason, tu me rejoins? Écoute, attends. Il y avait des forces du FBLA qui se dirigent vers vous, un kilomètre au nord. On sait, ça dit, Bill va lancer une contre-attaque. Il a des couilles, pas de temps là-dessus. Et pour Wood, est-ce qu'on a pu confirmer sa position? Ne tire plus. Vous avez perdu un point de perte d'un temps. Ça vient de...
c'est vraiment très risqué, mes amis. Où il est? Il est retenu prisonnier par un trafiquant d'art nicaraguayen. Un homme très dangereux. Où? À 3 km de là. Avant une barque de François, sous le fleuve Cubanco. Il est peut-être mis à mort. Compliqué ça. Bon, c'était plus compliqué pour le premier épisode, non? Ça a été. Alors, je sais pas si c'est une cinématique, si oui, je vous laisse. Ah. J'ai disparu au Vietnam. Mais ton père, il croyait que j'étais mort. Tous ces trucs que Kravchenko lui avait fait. Les nombres. Reznov qui occupait son esprit. Il savait plus ce qui était réel. Comment il aurait pu. J'ai rendu service à tout le monde. En le butant, cet enfoiré. Et il se relève en premier, et boum. Bienvenue au Wilton Tannery. 6 mois plus tard, ils m'ont transféré à Danang. Bordel, le Wilton. C'était le paradis à côté. J'ai perdu 17 coéquipiers. En 72, il n'y avait plus que moi. Ouais, j'allais pas crever dans un putain de marais.